Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est donc le dernier épisode de cette mini-série de vidéos sur les REITs industriels canadiens. D'ici quelques minutes, je vais donc vous présenter le tableau récapitulatif que j'ai créé et qui va me permettre de comparer chacun des 5 REITs les uns avec les autres. Et pour finir, je vous donnerai mon top 5 de préférence ainsi que le REIT dans lequel j'ai commencé à investir à la suite de cette étude. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo sans avoir vu les épisodes précédents, je vous conseille de mettre cette vidéo en pause et d'aller visionner les 2 premiers épisodes avant d'aller plus loin, sous peine d'être totalement perdu dans ce que je vais vous raconter. Je vous mets le lien de la première vidéo en haut à droite. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle quand je mentionne les REITs ou fonds de placement immobilier ou fiducie de placement immobilier en français, allez jeter un œil à ma vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. J'ai aussi 2 autres vidéos qui présentent des REITs canadiens et américains dans d'autres types de bâtiments que je recommande de posséder ou de mettre dans sa liste de suivi pour toujours avoir un œil sur eux. Je vous mets aussi les liens dans la description de cette vidéo. Avant d'aller plus loin dans la fin de cette étude de REITs industriels, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne ainsi que de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution de vidéo. Et si vous avez un peu de temps, un petit commentaire ferait aussi plaisir ainsi qu'un partage avec vos amis. Merci d'avance. Ne perdons pas plus de temps dans le blabla et allons voir ce tant attendu tableau. Voici donc le fameux tableau. En haut, on a par colonne les 5 REITs. Dream Industrial, Granite, Nexus, Summit Industrial et WPT Industrial. Et en dessous, pour les lignes, on a des groupements de données. Petite note en passant, les valeurs en dollars sont en dollars canadiens pour toutes les compagnies, sauf pour WPT Industrial qui a ses données en dollars américains. Tout d'abord, on a tout ce qui touche au prix. Ce ne sont pas les prix actuels, mais ceux que j'ai cités dans mes vidéos au moment de les filmer. En dessous, on a les prix avant la crise de février 2020, puis où ils en sont dans leur récupération. On peut voir que pour chacun d'entre eux, leur prix actuel est plus haut que celui d'avant la crise et que la meilleure récupération est pour Granite. En dessous, j'ai la capitalisation boursière qui est en gros le prix total à débourser si on voulait acheter toutes les actions en circulation de la compagnie. Puis ensuite, on a le ratio de dividendes. Pour le premier, la compagnie la plus grosse est Granite et la plus petite est Nexus. Pour celle qui a un rendement de dividende le plus important, c'est Nexus et celle qui est la moins généreuse, c'est Summit Industriel. Les lignes suivantes sont sur la compagnie en elle-même, avec sa date de création, son nombre de propriétés ainsi que la superficie totale de tous ses bâtiments, l'emplacement de ses 10 bâtiments, puis son taux d'occupation des locaux au dernier trimestre, puis pour l'année 2020. Ensuite, le pourcentage de loyers payés par les locataires sur le dernier trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021 pour pouvoir comparer et aussi voir l'évolution de leur établissement post-pandémie. Et la dernière ligne, c'est la moyenne en année de la durée des contrats de location qu'ils ont avec leurs locataires. On peut voir que chez Summit, il me manque des infos sur les montants des loyers récupérés. Impossible de mettre la main sur cette information nulle part. Le REIT le plus vieux est donc Summit Industrial qui existe depuis 2005. Mais on peut voir que Dream Industrial et Granite existent depuis 2003 quand ils étaient encore sous différents noms. Celui qui a le plus de propriétés est Dream Industrial avec 280 bâtiments. Mais celui qui a la totalité de la surface de tous ces bâtiments la plus importante est Granite. Nous avons 2 REITs qui sont présents au Canada, aux États-Unis et en Europe, 2 REITs qui sont présents à 100% au Canada et un REIT qui est à 100% aux États-Unis. Le REIT qui a son taux d'occupation le plus haut est Granite. C'est aussi lui qui a récupéré la totalité de ses loyers, même pendant la crise. Et c'est aussi lui qui a des contrats de location les plus longs, avec 6,1 années, alors que les autres tournent entre 4,1 et 5,5 années. Ce qui apporte une stabilité supplémentaire à la compagnie. La partie suivante est sur des chiffres importants pour juger du bon fonctionnement d'une compagnie, et ce sont le chiffre d'affaires et les bénéfices. Pour le chiffre d'affaires, j'ai comparé le dernier trimestre de 2020 avec le premier trimestre de 2021. On peut voir que celui qui a le plus grossi est WPT Industrial avec 15,5%, mais que celui qui a le plus d'argent est Granite. Pour les bénéfices, c'est aussi WPT qui remporte la manche avec 55% d'augmentation entre 2019 et 2020. Et nous avons Nexus qui a, lui, vu ses bénéfices dégringoler de 20% entre 2019 et 2020. Dans les 4 lignes suivantes, on a la valeur de leur capital au premier trimestre de 2021, puis pour l'année 2020 et pour 2019, et pour finir la différence entre 2019 et 2020. La compagnie la plus grosse en valeur de biens immobiliers est Granite avec 6,563 billions ou milliards de dollars, et la plus petite est Nexus avec 766,328 millions de dollars. Et celle qui a fait la plus belle évolution de grossissement de son capital entre 2019 et 2020 est WPT Industrial. Les 2 lignes suivantes sont sur l'argent qu'ils ont de disponible dans leur compte en banque, et bien entendu la compagnie qui est la plus grosse est aussi celle qui a le plus de cash en liquide, ce qui est plutôt rassurant, et c'est Granite.
Pour la ligne suivante, c'est le montant total de leur acquisition pour le premier trimestre de 2021 et c'est WPT Industrial qui gagne haut la main et celui qui a le moins acheté ou dépensé est Nexus. Les lignes suivantes sont reliées au FFO, qui est le Funds From Operation, qui est pour rappel la trésorerie disponible après toutes les dépenses de l'exploitation retirées, ce qui est un nombre plus pertinent pour un REIT que les bénéfices, car ça donne les résultats avec l'argent qui tombe tous les mois et non les ventes de propriétés, qui est quelque chose qui arrive qu'une seule fois et qui n'est donc pas récurrent dans les résultats. On a donc le montant au premier trimestre de 2021, puis le FFO par part, ensuite le montant total de dividendes payés au premier trimestre de 2021, qui va me permettre de calculer le FFO ratio. Ratio qui a plus d'utilité dans les REITs que le payout ratio, car les REITs sont obligés de reverser une grosse partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires s'ils veulent bénéficier d'exonération d'impôts du gouvernement, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Granite est donc le REIT qui a le FFO le plus important, vu que c'est la compagnie la plus grosse de la liste. Comme je l'ai dit précédemment, pour être sûr et sécuritaire dans son fonctionnement, un REIT ne devrait pas avoir un FFO ratio supérieur à 70%. Mais, avec ce que nous venons de vivre, les chiffres étant tous un peu chamboulés, je pense que s'il reste inférieur à 80% actuellement, ça reste toujours une compagnie fiable. Les deux lignes suivantes sont sur les dettes des compagnies au premier trimestre de 2021, ainsi que le ratio de dette par rapport à la valeur de leur capital. Le REIT qui a le plus de dettes est celui qui est le plus gros, ce qui me paraît être normal, et c'est donc Granite. Pour le ratio, plus il est faible, mieux c'est. Donc c'est Dream Industrial le gagnant sur ce coup-là. Et pour ce qui est des dernières lignes, c'est tout ce qui touche aux dividendes. On peut voir que chacun des REIT paie mensuellement et qu'aucun d'entre eux n'a coupé ou baissé son versement pendant la crise que nous venons de passer, ce qui est vraiment bien. Le REIT qui paie des dividendes depuis le plus d'années est Summit Industrial et le seul qui a le statut de dividende aristocrate est Granite. Et voilà, on a parcouru ce tableau plus ou moins en détail. Si vous voulez l'étudier un peu plus en profondeur de votre côté, je vous mets un lien pour le télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Si vous avez compté les points tout au long de cette étude comparative, c'est assez clair qui est le gagnant de tous. Vous avez une idée de quel REIT je parle ? Maintenant que l'étude est finie, voyons mon avis personnel sur chacun de ces REITs. Je vais commencer par le plus facile, si vous ne l'avez pas encore compris tout au long de ces deux dernières vidéos, mais j'ai beaucoup de mal avec Nexus REIT. Il est donc à la dernière position de mon top 5. Je m'explique un peu pourquoi. Tout d'abord, leurs documentations sont très light. Elles ne sont pas assez claires, il n'y a pas assez de photos, de dessins, de graphiques qui rendent les présentations plus digestes et surtout, faut vraiment chercher à fond pour trouver les chiffres dont on a besoin. En plus, ils ne sont pas à 100% industriels et c'est ça qui a fait plomber leurs chiffres pour 2020, car les bureaux et les commerces ont beaucoup souffert de la crise. Ensuite, en quatrième position, je mettrai Summit Industrial. D'abord parce qu'ils ne sont présents qu'au Canada et qu'un peu de diversité, c'est bien aussi. Ensuite, car même si leurs présentations sont 100 fois mieux que celles de Nexus, elles ne possèdent pas non plus toutes les informations nécessaires pour les études de ce genre. Et puis, car ce sont aussi les moins généreux en paiement de dividendes de cette liste de REITs, et que pour moi, les dividendes, c'est super méga important. En troisième position, je mettrai WPT Industrial, car il n'est présent qu'aux États-Unis et que tout comme pour Summit, un peu de diversité, c'est bien. Après, ce que je peux dire, c'est que j'aime bien leur rendement de dividendes et ils ont aussi de bons résultats pour leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices. Pour ceux qui préfèrent investir aux États-Unis car c'est plus facile avec leurs courtiers, comme pour mes amis français, ce REIT est vraiment un bon numéro. En deuxième position, pour la médaille d'argent, je mettrai Dream Industrial, car j'aime bien sa diversité au niveau de la localisation de ses bâtiments, ainsi que son rendement de dividendes. Puis le fait qu'il fasse partie de la compagnie Dream, qui est une magnifique bouée de sauvetage en cas de soucis de la partie industrielle. De plus, leurs présentations sont claires, avec de la couleur, des graphiques, des images, beaucoup de pages et des infos, pas toutes intéressantes, mais qui sont là. Et sur la plus haute marche du podium, pour la médaille d'or, nous avons Granite, qui est pour moi le meilleur de ces 5 REITs industriels. Avec des présentations claires, plein de pages, des graphiques, des tableaux, des comparaisons avec d'autres REITs et pas seulement avec ceux de sa catégorie. Un rendement de dividendes correct, même si un peu plus serait encore mieux. Le fait qu'ils ont le statut d'aristocrate aide vraiment beaucoup, même si c'est juste avec les critères canadiens. Ils sont aussi diversifiés au Canada, aux États-Unis et en Europe. Et puis la crise du Covid a eu très peu d'effet sur leurs chiffres, c'est super rassurant de mon point de vue. Et puis savoir qu'ils ont leurs locaux loués à presque 100% avec des locataires qui paient tous leur loyer et que ces locations sont sur plus de 6 années, ça permet de voir venir et c'est vraiment bien pour l'entreprise. Vous l'aurez donc compris, le REIT dans lequel j'ai commencé une position le 22 juin dernier est Granite. Malheureusement, leur prix est assez haut et il est monté encore plus haut rapidement ces derniers jours, donc je n'ai pu acheter que 3 parts. Mais dès que possible, c'est-à-dire quand ça va rebaisser un peu, je vais grossir ma position encore plus.
D'ici quelques mois, je pense aussi investir quelques centaines de dollars dans Dream Industrial car ils sont sur la deuxième marche du podium, que j'ai un peu hésité entre les deux, et puis leur ratio de dividendes me fait de l'œil. Et voilà, c'est fini pour cette mini-série de vidéos sur les REITs industriels canadiens. Vous en savez désormais plus sur le sujet et j'espère que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair parmi ces 5 REITs canadiens. Alors, après l'étude puis la comparaison à l'aide du tableau, c'est quoi votre top 3 ? Ou même votre top 5 ? Si vous n'êtes pas encore actionnaire dans l'une de ces compagnies, pensez-vous commencer à l'être prochainement ? Si oui, pourquoi ? Et sinon, pourquoi ? N'hésitez pas à partager votre avis sur le sujet, j'adore vous lire. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker celle-ci, de vous abonner à la chaîne et de partager au maximum. Merci encore et à bientôt !